Oui. Ça avance là, cette demande, mais ça ne sera pas avant 2020, de ce qu'on comprend, si le Conseil, bien sûr, décide d'aller de l'avant avec un éco-centre dans votre secteur. Vous avez raison, on est rendu à la deuxième étape. Donc, on a franchi la deuxième étape, espérant soit confirmée ce soir. Donc, la première étape, comme vous savez, c'était dans notre programme du Conseil. Là, on est rendu à l'étape 2, faire une étude. Et des bonnes nouvelles, c'est que ça va, d'ici d'un an, on va pouvoir arriver avec une solution, on nous fera une belle proposition qui, j'espère bien, va répondre à notre demande de proximité pour un éco-centre. En attendant, vous souhaitez voir quoi comme solution? Parce que les gens le voient déjà, là, qu'il y a... Bon, on va continuer comme ça. Le monde, ce qui est intéressant, c'est que le monde nous dise, on est patient, on comprend, on veut s'adapter, mais on veut avoir un service de proximité. Puis ils comprennent que ça n'arrive pas d'une journée à l'autre. On va en mettre un bon à long terme aussi. Donc, je présume que d'ici un an, ce n'est pas si long que ça pour y arriver une solution à long terme pour tout le monde. Comment vous voyez ça dans la formule? Ben, je pensais, moi, au début, mais c'est pour ça que je suis content qu'on ait une étude. Moi, je pensais à un genre de contenant. On a des conteneurs là, qu'on pourrait mettre et identifier avec toutes sortes de. Ça peut être des pneus, ça peut être du bois tel quel, mais on va laisser ça aux experts. Puis les autres vont revenir aux recommandations, puis on pourrait l'étudier en tant que conseil. Merci.